Comme vous le savez tous, c'est Noël qui s'en vient, fait que j'ai décidé de faire une vidéo qui est pas sur Noël. Alors, pourquoi est-ce que dans le titre c'est écrit qu'on va parler de Noël alors? Bien sûr qu'on va parler de Noël, c'est ce qu'on appelle une blague. Bordel, une blague! Tu sais c'est quoi une blague, hein? Alors maintenant tu vas fermer ta gueule, et tu vas sagement écouter la suite de cette vidéo, en fermant ta gueule et en mangeant ton KFC. Je peux-tu checker la suite de cette vidéo en regardant, en buvant mon coke aussi? C'est sûr, consomme ce que tu veux, le petit imbécile! Plus tu grandis, plus que ta raison d'avoir hâte à Noël change. Comme quand t'es petit, t'as hâte à Noël pour les cadeaux, pour les cadeaux, pour les cadeaux. Puis quand tu vieillis, c'est pour les vacances. Et bien évidemment, comme d'habitude, tu passes des vacances de merde. Lol. Y'a un truc que je trouve. Haha, troll. Y'a un truc vraiment chiant que je trouve à Noël, encore plus que les mauvais cadeaux, c'est quand tu payes à quelqu'un un cadeau que t'as trouvé le mieux qui était pour lui, t'as fait chercher, t'as payé cher pour lui donner un beau cadeau, pis tu es pas content. Jérémy, j'ai ton cadeau de Noël. C'est une machine à monter dans le tank. J'ai donné mes vêtements, ma famille, ma maison, mon char, enfin bref, tout ce que je possède pour avoir le meilleur cadeau pour toi. Ouais, c'est bien gentil, mais moi, tu sais, j'ai demandé GTA 5, hein. Puis, hey, je sais pas pour vous, mais moi, je suis moins dans l'esprit de Noël que d'habitude. D'habitude, il y a plein de publicités de Noël, fait que je suis dedans. Je suis comme, ah, c'est bientôt, fait que là, ça me met dedans, le move de Noël. Puis là, cette année, il y en a presque pas, hein. Mais par exemple, ça commence en octobre, les publicités de Noël. Puis là, si, ils en mettent encore un petit peu, mais il y en a pas plus en décembre qu'en octobre. Puis là, je suis freux, puis là, je suis pas dans l'esprit de Noël, donc j'ai tiré une balle. Pis je sais pas pourquoi, nos parents ils nous font toujours la même joke à chaque année. Oh mon Charles, cette année t'auras pas de cadeau, hein? T'es assez vieux maintenant. Puis ben, comme prévu, après ben, t'as tes cadeaux. Ce que je trouve drôle là, c'est que tout le monde au Québec fête Noël, mais il y a genre plus que la moitié des personnes qui croient même pas en Jésus. C'est ça que je trouve drôle, parce que Noël, ça fête de Jésus, pour les personnes imbéciles qui regardent cette vidéo-là. Puis, mais quand on est petit, là, ben, c'est tout à fait normal qu'on n'a aucune idée si ça vient de où Noël. Mais on l'a fait quand même, on se pose pas de questions. C'est, mais en même temps, je trouverais ça, c'est normal, les enfants sachent pas ça, tu sais. Ça m'étonnerait qu'un enfant qui va arriver et va dire ça. Papa, avant de commencer à manger, nous devrions faire une petite prière. Aujourd'hui, c'est la fête de Jésus, c'est pour ça qu'on fête Noël. Ce serait raisonnable un peu de prière avant de manger, tu crois? Tu penses pas? Là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller m'aider sur Facebook ou t'abonner à mon chaîne YouTube, Charles Croteau. Ou ben, tu peux aller liker cette vidéo-là, mettre un petit pouce bleu. Tu peux le partager pour que je sois plus connu. Ou ben, tu peux m'envoyer un cadeau par la poste ou t'abonner à la chaîne, sinon je te pète le nez! T'as hâte à Noël, t'as hâte à Noël, t'as hâte à Noël, t'as hâte à Noël, t'as hâte à Noël.